Yo l'autre fois, gros bonjour, bonsoir à tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe TV Caraïbla depuis Mombalo Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Jodi a nous pas développer 3 points pour vous dans l'information. Mais c'est un bagage inauguration Noël. Eh bien, avant de nous faire ça, équipe TV Caraïbla, je voulais remercier tout le monde qui toujours branché TV Caraïbla pour l'information pays. Et un gros remerciement avec ça. Toujours quitte un commentaire pour nous. Li mettre positif, li mettre négatif. Ici dans Mombalo Police, équipe TV Caraïbla. Nous apprécions ça. Et si qualité information nous partagez, intéressez-vous, ou capable toujours abonner avec TV Caraïbla et puis activer cloche notification pour capable connaître chaque fois nous poster une vidéo. Eh bien, nous pas perdre du temps, nous déroulons avec information. Yo, en ouais. Une délégation qui vient en tête, li, directeur général Office National Assurance Vieillesse là. M. Chesnel Pierre inauguré yon bureau ONA nan commune Trou di Nord. Responsable nan Apollo Motors inauguré yon nouveau showroom ak yon modèle machine ki rele MG. Marie Auxiliatrice sa organise yon journée activité kiltirel ak distribution cadeau bay plizye ti moun nan occasion fête Noël la. Eh bien, c'est trois informations ça nous pral développer pour vous, nous pa perdre du temps, n'ap commence koulye ya! Et sénateur Wanik dit nous, tant que j'en te promets nous, ça c'est tout qu'être là, charge là derrière. Nous pas découragés. Nous fiers. Nous contents par rapport au bureau Sahara qui ouvre dans la commune Poudinot aujourd'hui. Plus passé 1000 jeunes femmes, plus passé 1000 petits mamans qui n'ont nécessité, qui normalement joignent ça qui est les petits mamans chéris, grâce à sénateur Wanik. Mais je t'ai toujours dit, magistrat, là nous faisons une bataille pour nous normalement joindre l'assistance là, pour nous joindre petit cobla pour nous le payer. Nous avons l'autre bataille encore, qui c'est comme machine, qui c'est comme camion. Ça, main gauche fait, mais nous n'avons pas besoin d'île. Nous, tous qui là, c'est grand monde, nous pas comprendre. Je dis, moi, pas besoin de nous, comment me sentir fier, comment me sentir content, le fait que, en pile maman, en pile femme, même là, normalement, yo fin d'ouvre, comme pour y aller payer en tant que débiteur ou débitrice, il n'y a pas de bataille encore pour trouver comme camion. Non seulement comme camion, mais il y a bataille en pile. Parce que camionnette là, le motel, ou joue une déception, ou joue une, ou rencontre en pile difficulté.
Je dis à c'est un grand honneur pour nous, en tant qu'étrigiens, le fait que nous dotés de Bigosa. Dans la circonscription, sénateur Wanik te gagne pour mettre nous ça. Et je pense que, tant que j'aime sous dire tout à l'heure, cette enquête-là, charge là derrière. Parce que, il y a un pile l'autre bureau qui a venu toujours. Chacun de nous vient de quartiers différents, d'une section différente. Et j'ai dit même, chacun de nous vit dans un département différent. Mais il y a une chose qui nous unit, ce sont les valeurs morales. Des valeurs qui nous ont inculqué notamment le respect, l'acceptation, la considération, l'entraide, la réciprocité, la solidarité, l'écoute, la bienveillance, l'empathie, la fraternité, l'affection et l'amour envers les autres. L'un des éléments qui entrave le développement de notre pays, c'est la concentration de nos institutions. Le non-accès à des services de base dans les communes, aujourd'hui, l'Office national d'assurance vieillesse, à travers son directeur général, M. Chantal Pierre, vient une fois encore de nous prouver qu'il est impératif de faire le premier pas vers la décentralisation. Je dirais même que l'institution est devenue le symbole de la décentralisation, car, de par le symbole que représente l'institution, j'ai pu comprendre qu'à la tête de cette institution, il n'y a que des visionnaires, des hommes et des femmes qui croient que Haïti doit renaître de ses cendres. Mais pour cela, il a fallu le travail de nos élus. Et sur ce, je souhaitais congratuler le gouvernement Maurice Lapin pour son engagement dans le combat de doter la commune de Trou du Nord de cette institution si noble. Sans oublier les élus du département, spécialement l'honorable sénateur Fanny Pierre. Merci. Je dois vous dire que le fait pour que l'Office national d'assurance vieillesse soit à Trou du Nord n'est pas un mérite, car la ville a beaucoup de potentialités. Non seulement le marché de Trou du Nord est très vaste, mais encore nous avons dans l'arrondissement le parc industriel et tant d'autres ressources. Chers directeurs de l'annexe, je vous connais de par votre dynamisme, votre savoir-faire et votre sens du devoir. D'ailleurs, pendant les jours de la préparation, j'ai pu réaliser que vous êtes un leader né. Sur ce, je me lève la doigt en étant l'icône de l'équipe pour vous donner la garantie qu'en étant notre supérieur hiérarchique, nous serions toujours prêts à vous écouter, à vous témoigner beaucoup de respect, et je crois qu'ensemble, nous allons faire porter l'annexe le flambeau de l'excellence. Mes chers concitoyens, triviennes, nous voici dans le berceau de la modalité. Désormais, vous avez chez vous votre propre institution d'assurance. Vous n'allez plus pouvoir accidenter en essayant de trouver les services de l'Office national d'assurance vieillesse ailleurs. Vous devez composer avec l'institution, car il n'y a que vous qui pouvez assurer la survie de l'institution. Et bureau régional, on a arrivé dans tout du Nord aujourd'hui, mais on a femme, il y a plus qu'un an et demi depuis on paquet Madame Sarah. Femme qui a fait business dans le département nord-est, qui est un jeune prêt ou la femme à 25 000 gouttes et 1% intérêt chaque mois. Nous pensons, jeunes à regarder là, c'est transformer, nous transformer famille à eux. Il y a un gros emploi qu'on y a, il y a plus sûr de eux, parce que c'est dans le pays où est à l'école, il y a plus confiance. Pour qu'a aidé tout, maman yo, papa yo, parce que chaque haïtien, qu'on paquet tout haïtien sous compte lui. Et lui dit, le parent fait tout effort pour vous. Ou venez, qu'un maîtrise, ou qu'un doctorat, et vous pas travailler. Et vous n'y commencez grand monde, vous commencez malade dans le monde. Vous pas aidé yo. Je pense que, groupe d'employés ça yo, dans tout du Nord qui j'ai une opportunité ça, je souhaite son bon bagage, et avec nouveau directeur, nous allons mettre tête nous ensemble pour nous faire bureau on a dans Trou du Nord marché. Population arrondissement Trou du Nord, mon département nord-est. Bureau communal cap inauguré jeudi. Pas gain en rien pour l'envier à l'autre bureau on a eu. C'est même type service, même produit pour tout le monde qui est assuré ou bien qui a pu assurer.
nous venons plus près de Montrodino, Caracol, Limonade, Valier, Sainte-Suzanne, Pêche, Terre Rouge et La Trier. Personnel là recevoir une formation solide pour aider tout le monde, pour bailler bon gens information et surtout bailler bon gens service. M'a profité pour remercier tout le monde qui n'a yon façon qu'on yon l'autre te aider pour nous arriver là jodi. Mesdames, Messieurs, quand il nous fallait procéder au recrutement du personnel, l'accent était mis sur trois qualités essentielles. L'intégrité, l'intelligence et l'énergie. Ces qualités sont interreliées, car si vous ne possédez pas la première, les deux autres vous tueront. Un objectif fondamental nous servait également de guide, de leitmotiv dans nos choix. Tout doit être axé sur les besoins des assurés, car notre priorité est d'accorder une attention spéciale aux assurés de l'ONA. Comme moi dit déjà, quitte l'été ONAPAM, quitte l'été ONAFAM, à tout l'autre produit et service ONA gain dans Djakoutli, ONA poté toute la région. Nous entendons parler déjà des ONAFAM, Capta et Banda dans tout pays, avec facilité, Libay Timachanio, Madame Sarayo, pour joindre bon gens crédit à seulement 1% intérêt chaque mois pour créer petit business par yo, qui est le yo, chez maître, chez maîtresse. Et d'après chiffres que l'Institut Statistique Bano bien plus passé yon quarantaine organisations femmes cap ferraillé dans la commune. Mesdames qui enroulé dans tout programme nous yo, gagnent tout opportunité pour rejoindre retraite par yo, tout depuis yo arrivé rempli condition yo. On a encadre les jeunes, on a assure les vieux partout sur le territoire national. J'invite ainsi tout un chacun à intégrer l'ONA et je réitère mon engagement à renforcer les services de l'institution en vue de bien servir la population. J'aimerais maintenant m'adresser aux nouveaux employés de l'ONA et leur donner la vision que je me fais de nos responsabilités collectives. L'État a créé l'ONA afin de satisfaire les aspirations légitimes et d'établir les conditions nécessaires à l'amélioration du niveau de vie de la population, de prendre les mesures adéquates à l'effet d'assurer la protection de la classe ouvrière et d'améliorer ses conditions de vie et de travail. Vous devez donc élargir la couverture de sécurité sociale à tous les travailleurs du secteur formel non encore inscrits au niveau de la région et surtout aux travailleurs du secteur informel totalement exclus du système de sécurité sociale. Les micro-entrepreneurs et travailleurs indépendants n'ont fait que rarement l'objet d'une stratégie d'inscription, encore moins des travailleurs agricoles. La politique de l'ONA est de promouvoir, dans le cadre de sa mission première d'assurance sociale, les droits de tous les travailleurs du secteur formel comme du secteur informel à la sécurité sociale et conséquemment de travailler à l'extension de son système d'assurance vieillesse. Il vous revient de vous dépasser et cultiver l'esprit d'équipe pour atteindre les objectifs collectifs, car on ne peut agir efficacement qu'en travaillant de concert. Pour leur part, les nouveaux responsables du bureau communal ont pour obligation d'impliquer leurs collaborateurs au maximum pour les mener
vers une résolution autonome des difficultés éventuelles de les aider à renforcer leur autonomie. En conclusion, l'ONAS se doit d'être une institution dynamique, performante, au service du développement social et économique de la région et du pays. Travaillons donc avec foi, avec patience, mais avec constance à cette œuvre de protection sociale sur toute l'étendue du territoire national. Vraiment, c'est un contentement et pour moi personnellement, c'est un employé parc industriel de Caracol qui travaille avec la SONAPI premièrement. Et dans le deuxième volet, qui actuellement gagne un contrat avec l'ITE, ça veut dire moi-même, on a fait bien et, comme un monde qui travaille dans l'institution. Si on a vu la caille, c'est normal, on est là, je suppose, accueillir avec tout enthousiasme. Et je dis à Bureau ONA lui-même, l'effectif, ça veut dire, bon, c'est que l'implantation du Bureau ONA dans la communauté et tout du Nord, c'est un bon bagage. Et je souhaite que la mission que vous-même avez gagnée, c'est assurons les jeunes, protégeons les vieux. Je souhaite que ce n'est pas un slogan s'arrêter, que vous-même fait ça et, en réalité. Je me sens tout satisfait pour l'implantation du Bureau. Là, un jour, je connais ma prédoune. Mon autre, la caille, moi. Au pays, chéri. Même si n'a pas chanté ici. En tant que nouveau directeur, comme moi, nouveau directeur, même pas nouveau pour Ona, parce que moi, j'ai un peu de temps dans Ona, donc moi, j'ai au moins 17 ans. Depuis que je travaille dans Ona, qui passe tout étape, depuis Pipiti employé, aujourd'hui, comme étant directeur d'un bureau communal. Donc, nous allons travailler davantage pour nous voir comment nous sommes capables d'atteindre le résultat que on a toujours fixé. Donc, chaque année, chaque bureau toujours gagne un objectif fixé. Moi, j'étais au cap, je fais tout le temps au cap comme employé ONA, comme inspecteur ONA et comme responsable service inspection ONA. Donc, aujourd'hui, c'est directeur ONA Lacaille, qui est ville du Nord. Donc, nous allons travailler en synergie avec nouveaux employés que nous gagnons là-haut pour que nous soyons capables de faire le meilleur de nous-mêmes. Le meilleur de nous-mêmes, nous veut dire qui ça? C'est voir comment nous sommes capables d'atteindre tout cotisant que nous gagnons dans la zone. Là, nous disons atteindre cotisant, nous connaissons que nous avons plusieurs problèmes qu'on nous avons toujours posés, surtout problème 4 identification ONA. Donc, nous allons travailler ensemble. De conseil avec le bureau central pour nous voir comment le directeur général a mis le service à plus près de nous, puisque nous trois, qu'on est dans le département qui est autour du Nord pour la liberté, si tu es capable de gagner un service actuel régional et qui est capable de servir aussi le département Nord pour que 4 salariés soient capables de venir plus vite. Donc, c'est dans le contexte que nous-mêmes nous allons travailler, surtout avec les marchands. Nous parlons de Madame Sarayo, avec produit ONA, surtout ONA Femme, que non seulement le directeur Chesnel Pierre lui-même l'a implémenté depuis l'arrivée dans tête ONA, également avec demande président de la République qui voulait toucher les gens qui sont plus. Donc, avec service, nous-mêmes, nous allons travailler pour nous voir comment, et bien, près nous sommes capables de toujours jouer nos petits marchands, parce que si on a ce petit crédit pour l'espoir, donc pour l'espoir avec un taux d'intérêt de 1% l'an, donc son bagage, pour pas jouer dans quel côté. Donc c'est dans le contexte, c'est dans ce sens, disons, nous allons travailler ensemble, surtout avec le bureau central, pour que nous capables de voir comment on a stabilisé, particulièrement, une série de griefs qui ont gagné dans le département pour 4, particulièrement, surtout dans le parc Caracol, pour nous voir comment on a capable de résoudre le problème. Je veux dire, c'est vendredi, c'est week-end. La population d'Apton, eh bien, service ça, hein, et ça qui peut le fait dans ONA, en termes de proximité, maïsra te dit dans le discours, il y a des gens normalement qui étaient déjà dans ONA Femme, dans la commune de Trou du Nord, les plus qui étaient Trou du Nord pour y aller, Cap-Haïtien ou bien Folle Liberté, c'était une casquette chinoise. Je dis, il y a un bureau régional qui joue à Trou du Nord, je pense que c'est tout un rêve qui est réalisé. Et ma dit communauté, c'est Toquette là, Chagra lui-même derrière. Vous pouvez imaginer
Là, on monte une matricule fiscale dans le niveau de du Nord. C'est Cap-Haïtien qui est obligé de rentrer, ou bien c'est Fort Liberté qui est obligé de rentrer. Eh bien, moi-même, comme sénateur et de département, accompagné de magistrats, de quatre magistrats qui ont fait en ville province, accompagné de, eh bien, le président république là, qui c'est Montreux du Nord, nous pensons qu'il y a un pile de travail qui a fait pour gagner l'autre bureau qui rentrait dans la zone là. Notamment, ils ont annexé BNC à Trou du Nord, parce que Trou du Nord perdit plusieurs petites lits. Eh bien, dans la machine pour la Fort Liberté, dans la machine pour le Cap-Haïtien ou bien pour la motocyclette, il y a plusieurs motos du Nord qui sont victimes des accidents pendant un petit chèque de 10-15 000 gouttes dans le monde pour changer à Cap-Haïtien à Wanamè. Moi, je crois que je dis, on a lui-même de rentrer. C'est sûr, il y a OAVCT qui derrière, il y a annexe, j'aime ça dire, BNC qui derrière, il y a annexe au FATMA qui derrière. Il y a une affaire sociale là normalement, qui est un local qui construit au lit. Ça fait environ 6 ans qu'il faut qu'on s'en sécurité inaugurée. On travaille dans le mois d'avenir, dans le jour d'avenir, pour gagner plus de services et bien qui viennent joindre la population. Et je ne sais pas aujourd'hui, moi comme militant, je suis pour le pays capable de déconcentrer, pour gagner proximité en termes de services, pour décentralisation capable d'effectuer. Mais je dis, je pense que et dans la promesse que nous avons fait aujourd'hui, c'est yon nan yo qui honoré, même quoi que c'est avec qui on cœur rempli de joie, aujourd'hui, la commune de Trou du Nord et bien accueilli yon bio régional de l'ONA. Aujourd'hui, nous avons inauguré un nouveau showroom MG, et MG qui c'est un marque de voiture. MG sont nouvelles marques, mais si on ne peut pas prendre MG, sont marques qui existent depuis 1924. Et qui commençait en Angleterre, donc son marque anglaise que lui. Et au début, il était fait en pile voiture de sport, il était dans la compétition, des bails comme ça. Et puis au fur et à mesure, avec des années, il commençait à faire TSUV, l'autre qualité de machine de tout terrain, qui vient adapter pour nous avec le marché Haïti. Donc, c'est pour ça que nous décidons d'apprendre avec eux, parce que nous avons qualité à bon et machine belle. Donc, nous décidons d'investir dans MG. C'est des moteurs de 1,5 litres gasoline. Donc, le rap conduit, je suis très nerveux, je monte mon sans problème. Et donc, c'est essayer pour les clients qui sont intéressés, qui sont venus, ou essayer là avec nous, avant de faire le choix. En termes de prix, nous avons différents modèles. Nous avons MG3 qui commence à 15 000 $, MGZS là qui commence à 18 000 $, et RGRX5, MGRX5 qui est un plus gros modèle avec 9 500. Donc, il y a différentes gammes, différents prix pour différents publics, différents mondes. Le nous faisons recherche, nous faisons études, nous premièrement machine était belle. Donc nous investiguons, nous regardons dans l'autre pays qui a une qualité à tailler, qui a un terrain même. Nous voyons que tout le monde est vraiment content de moi là. Donc nous-mêmes dans Apollo Motors, nous pas de gamme machine ça à tout. Donc nous c'est un bon choix pour nous. Pour nous non seulement gain gamme là, et puis son belle machine en plus. Nous avons 20 ans déjà dans la rue. Hein. Et le premier ça livré, c'est en mai 2019. Donc, pour une période de temps, ça, je m'a parlé avec les clients, ils sont très satisfaits, très contents. Et donc, je suis très confiant que nous parlerons de mes machines. Nous-mêmes, nous venons avec des prix très compétitifs sur le marché pour que un peu le monde disons, pour l'abordable pour un peu le monde. Et surtout en décembre, nous mettons des prix vraiment spéciaux. Donc, nous avons des clients, dès lundi matin, ils sont venus, nous venons de 7h30 à 4h30. Donc, ils sont venus, garde machine, essayer. On a fait tout possible pour que les gens puissent chercher. Nous avons une cinquantaine de machines là disponibles, donc il y a ces machines-là, c'est de nous marquer. Le noir sorti, nous avons une construction que nous avons fait à côté. La construction, ça, c'est le cap garage pour différents marques que nous avons. Et le garage, ça, a supposé parer en mars. Donc là, nous avons un garage pour MG, mais nous avons un nouveau garage qui est plus moderne, plus sophistiqué. Beaucoup plus d'équipement pour nous avoir confiance dans ces machines. Là, c'est modèle qui commence à 18 000 là. Donc, c'est lui même qui sont tout terrain, SUV, donc c'est lui que nous avons le plus apprécié jusqu'à présent. We'll be right back.
commencé à 10h du matin et puis à 4h nous supposé fini. Le programme que nous gagnons tout à l'heure, nous allons faire cours de danse pour eux tout à l'heure et puis nous avons une salle de cinéma pour eux. On a fait des petits jouets avec eux pendant la journée et puis après on a baillé. Nous étions baillé au déjeuner déjà depuis 8h et puis qu'on après nous allons après manger toute activité tout et puis nous tout staff après réuni et puis qu'on est pour nous baillé au jouet. On a fait lui peut-être Simon, le père c'est lui même qui organise lui. Bon, j'ai l'impression qu'il est sous deuxième ou troisième année là fait ça, mais c'est année ça, il a plus grandeur là dans lui. Est-ce que tu comprends? Donc qu'on est là, il commençait avec lui pour aider Timoun et le plus Timoun tout année ça que on a passé pour nous que pour nous avancer puis devant pour chaque année pour nous continuer avec lui avec parent Timoun on a passé faire de possible nous pas vrai pour nous continuer avec bagage ça parce que faut nous là pour Timoun tout faut réfléchir avec Timoun spécialement c'est Noël et j'ai l'impression que ça passe une période là qui est tellement difficile avec eux. On a essayé pour nous voir que si on a animé, on fait des choses pour eux parce que Timoun a besoin de ça. Je dis à ça avec un peu de content pour nous faire fête ça avec Timoun, que nous baptisons le Noël de l'espoir. Nous devons, après tout le temps, ça payer à Téloc pour nous offrir Timoun un autre espace, un autre temps, un autre loisir, un autre moment pour nous vivre ensemble. Et son moi et tout, pour montrer Timoun que vraiment, il y a plus de monde qui a pensé avec eux, il y a plus de monde qui a pensé pour eux. Nous-mêmes, dans la zone SAT, le soleil, nous voulons montrer Timoun qu'il y a espoir toujours pour eux vivre. Et c'est ça qui cause que je dis à toute foule Timoun ça là, et que nous-mêmes, équipe ça là, ensemble avec nous, pour nous organiser bien le moment ça. Nous n'avons pas un critère de choix. C'est tout Timoun, pas un critère de religion, donc Timoun n'a pas une religion. Donc, quel que soit l'âge, tout le monde, quel que soit niveau, nous choisissons. Depuis que tout le monde vient, nous accueillons. Donc, nous accueillons environ 1700 personnes le matin, sans compter grand monde qui accompagne, sans compter staff qui est ensemble avec moi. Donc, qui fait que nous, là, nous avions presque 2000 personnes qui ont préparé la fête. Il y a des gens qui sont dans la cuisine, matin, nous allons déjeuner. Après-midi, là, nous allons manger encore. Et après, manger, nous allons distribuer des cadeaux avec eux. Nous-mêmes, ça, nous passons comme ça. Et nous sommes certains que Père Noël a passé de l'autre côté. Je dis que ce n'est pas moi-même. Comme Père Noël, même si nous sommes certains que Père Noël doit visiter. Et ça fait que nous sommes venus en façon spectaculaire parce que nous voulons montrer à Timoun que Père Noël descend ici. Je dis tout Timoun. Tout Timoun était ferme, était confiant, était solide dans l'étude. Et puis tout. Beaucoup d'amour. En pile espérance. Et tout le monde bat pour nous toujours obéissant avec parents nous. C'est ça Père Noël dit tout le monde bat pour nous obéissant avec parents nous. Obéir, respecter, respecter tout le monde, apprendre dit bonjour, toujours dit bonjour et toujours dit merci. Là monde ba non bagay. Voilà. Équipe TV Caraïbes Bla dit merci avec tout le monde qui t'est branché pour t'es cap tande dernières informations. En tout cas tout le monde merci parce que nous t'est branché, pas oublier vous nous abonner avec chaîne là. C'est TV Caraïbes et toujours songez pour activer ti cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.